Yes. Quel bail ? Go. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Perso, je collectionne fort. Ouais, je sais pas, mais... Tu sais, s'il n'y a pas d'intérêt à collectionner, c'est vrai que c'est sain de collectionner, tu vois. Je m'en fous de collectionner. S'il n'y a pas d'intérêt, au final, c'est... Bof. Franchement, non, j'en veux qu'un. Qu'est-ce que c'est ? Non, il est monstre, forcément. Quand j'ai un froid, forcément, il est monstre. Fuck. Merci, j'ai le froid. Dude, il faut juste râler sur ce jeu. Tu râles et t'as ce qu'il faut. Oui, merci, game. I love you, game. Game, I fucking love you. I love you, game. Thank you. Ok, il est pété, il s'est pas joué. Mec, il joue cette carte alors qu'en fait la partie fait que commencer. Ok. Wouah, quel bail. Oh, en plus il a encore joué... En fait regardez hein. En fait, quand il joue une carte turque... Quand il joue une carte comme ça, turque, tu vois. Donc une carte rassemblement. En fait, ça prend les cartes de son jeu à lui, ok. Mais aussi de son deck. Donc du coup, si il a une carte équivalente dans sa main, ça lui prend aussi, tu vois, de sa main. Donc du coup, genre là, il a peut-être cette carte, tu vois, en haut à gauche, il a peut-être cette carte ici. Mais s'il joue une carte que ture, comme ça, il peut passer directement de 7 à genre 4, tu vois. S'il avait envoyé 3 dans sa main, tu vois. Ça va très vite. Ça peut aller très vite, hein, les gars. Est-ce qu'on le défonce ou pas? Ou est-ce qu'on lui donne ce tour? Est-ce que je jouerai pas le gel? Je passe toutes ces cartes à 1. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça lui fait 8. 8 et je joue genre un 10 et je gagne. Tu vois? Je joue 2 cartes et je gagne. Siri, je t'ai pas appelé Siri. Je t'ai pas appelé. Je suis à vous. Oui, je sais que t'es à moi, mais je t'ai pas appelé, je t'ai pas parlé. Tout à fait d'accord. Eh Siri, il est fatigué, je vous jure. Le problème c'est que si je fais ça, je vous explique. Si je fais ça, ok, si je joue comme je veux jouer là maintenant là, ok, et qu'après il me ressort des cartes turques comme ça, il va forcément jouer turc, tu vois. Je suis niqué, il lui reste 25 cartes hein, dans son deck. Je n'ai que 13, vous voyez, dans mon deck à moi, d'accord. Donc 25 cartes, ça veut dire potentiellement plein de cartes comme ça, ok. Donc je me dis, faudrait mieux passer en fait. Ah, je sais que je vais doubler deux fois, ouais. En fait, si je passe... Le problème, c'est que si je passe, là, ok. Si je passe, faudra que je nique deux fois d'affilée. Non, je passe pas. Non, je passe pas. 8... Quel bail. 10. Non, je passe pas. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, là je gagne. Ok. Regardez. Là je gagne. Bam. Ok. Je vais tirer une carte. Donne. Parfait. Là en fait, genre, j'ai plus de cartes que lui. Donc lui, genre, là c'est moi qui vais jouer. Ok. Je vous montre. Genre ça. Ok. L'idée là maintenant, c'est que. Voilà, c'est ce que je voulais, regardez. 6 cartes. Ok, il n'y en avait aucune dans la main. L'idée c'est qu'en fait là je vais lui faire jouer un maximum pour lui niquer ses cartes. Après je passe. Du coup il lui restera genre 2 cartes et je gagnerai. Vous comprenez? C'est ce que je veux faire. Vu que là j'ai mes 2 points. Attends, oui d'accord, je pourrais ramener ni cette carte là ni cette carte là. Hein. Avec le médecin. Je pourrais raiser aucune des deux cartes là, hein, parce que c'est deux cartes spéciales, on est d'accord. De mémoire, juste pour être sûr.
Ouais, je peux en tirer aucune, okay, ok. Ok. Nickel. Très cool. Très très cool. Parfait. Il a 5 cartes. Je continue, je m'en bats les couilles. Je m'en fous de ces cartes. x2. En fait, là, il pourra pas passer, tu vois. En fait, là, le truc, c'est que... Je vous explique. Comme j'ai gagné, ok, il lui reste plus qu'un point, il pourra pas passer, là. Tu vois, même s'il a plus de points que moi, il pourra pas passer. Il sera obligé de jouer ses cartes, parce que s'il passe, et que je joue tout mon attirail, il perd. Donc là, en fait, il a pas le choix. Il doit, en fait, dégainer ses cartes. Et ça m'arrange, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas passé le premier tour. Parce que si j'avais passé le premier tour, et que je lui avais fait la win, là, il aurait joué en mode chill, tu vois. Là, il aurait passé. Et du coup, je me serais fait niquer. Vous voyez ce que je veux dire? The brain is real, man. The brain is real. Gagne ce tour, tu peux win. Non, l'idée c'est de pas win là. Au contraire, l'idée c'est de le faire croire que je win. Et après je passe mon tour. Tac 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 tac. Ok. Donc ce que je vais faire. Attends, ça fait quoi? Ça fera 4 et 4. Non, ça fera. Ouais, 4 et 4. 8. Là ça fera 8, de tous les cas. Go faire ça. Quatre cartes, regardez. Trois cartes, vous voyez? Parce qu'il avait une moire dans sa main. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'aime en fait dans ce deck, c'est trop bien. Nickel. Trois cartes, il nous reste trois cartes en vérité. Est-ce qu'on passe? Et c'est bien parce qu'en fait du coup il a joué cette carte là et c'est ce qui m'arrangeait. Il l'a joué, tu vois. Comme ça, là, il pourra pas la jouer le prochain tour. Je pense que faudrait que je passe, là. Non, la 1, je la garde. Non, la 1, t'es fou, la 1, ça va, ça change tout. Non, je passe. Je passe. Il va passer aussi, normalement. Ok. Et c'est maintenant où je gagne. Regardez, j'ai 7 cartes, il y en a 3. Tu vois. Celui qui commence en plus. 2 cartes. Chill. Une carte. C'est bon, il a plus rien. Si je fais ça, c'est qu'il a plus rien, c'est bon. Il va passer son tour normalement. Il va passer son tour, il a plus rien. Non, il passe là, il a plus rien, c'est fini, il a plus rien, je pense qu'il va passer. Ok. C'est bon, il a plus rien, on a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, je peux jouer tranquillement. Je rappelle ma pote, quel bail. Je rappelle mon pote, quel bail. Oh, ce combo que je viens de faire, il est incroyable. Tac, tac, tac. On double pour lui montrer un skill plus fort. Get the fuck out of here. Regardez, il appuie le bouton, bien sûr. Hein. Et c'est la win. Yes. Putain, je commence un peu à maîtriser le deck monstre, en fait, tu vois. Je commence un peu à brain le deck monstre. Eh, donne-moi une carte. Rayordin. En ce qu'est-elle? Rayordin. Rien. Zéro. Ok, merci. Tu as du sang elf, toi, non? Oui. Comment tu sais? What? Tiens donc, mais qui voilà? Le loup blanc en personne dans mon humble établissement. En quoi puis-je vous aider? C'est une quête! Comment vont les affaires? Vraiment, vous n'avez rien de mieux? C'est un peu comme demander à un pêcheur si sa mort ou à une mémé si sa santé est bonne. Parle mal. Les affaires sont florissantes. C'est toujours le cas en temps de guerre lorsqu'on sait s'y prendre.
avant même que le Nilfgaard traverse le Pontard, j'avais passé commande de bois et de fer au Kovir. Ça m'a rapporté 7 fois la mise. Bien. On pourrait le croire, mais c'est sans compter l'impôt sur les non-humains, le denier du culte, l'effort de guerre. Une fois tout soustrait, il reste une misère. 10 ou 12 coffres, pas davantage. J'ai besoin d'un prêt, sérieusement ? J'ai besoin d'argent. Je souhaiterais contracter un prêt. Bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. C'est tout ? Dame Yennefer de Wengerberg s'est portée garante pour vous, il y a belle lurette, au cas où la situation se présenterait. Foster ! Par ailleurs, nous excellons dans l'art de recouvrer nos créances. Il est la même main que Sergueï. Il m'a donné 100 couronnes. Ça va, je peux... What ? En quoi puis-je vous aider ? Mais vous voyez pourquoi je vous dis Team Yennefer ? Vous voyez pourquoi je vous dis Team Yennefer ? Jamais je rembourse. Attends, j'ai une question. Si je rembourse pas, ça fait quoi ? C'est Yennefer qui rembourse à ma place. Mettons dans la merde, Yennefer. J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Les huissiers viennent. T'as déjà essayé le Gwent ? Non, c'est quoi ? 4620 What ? Mec, il m'a donné 1000 et quelques. C'est insane. Ouais, j'ai changé les florins, toutes les pièces, là, florins et les orins, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En vérité, chat. Toi de notre chapelle et tu ne devrais pas soir. Chat, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir contracté le prêt ? Loulou, merci beaucoup pour les 9 mois de sub encore une fois. Merci, Froster, pour les 500 bits. Aimes-tu Overwatch ? Over quoi ? Non, merci. Non, j'aime pas trop. Est-ce que c'est molide d'avoir contracté le prêt ? Parce que j'ai pas besoin d'argent, en vérité. Meilleur bail... Ça, moi, j'étais dégoûté de si je change pas... Je dis combien j'ai eu. Quoi ? Ça sert à rien, on est d'accord ? Ouais. Changer la partie. J'ai fait de la merde. Les espions impériaux... Ouais, ça sert à rien, parce que j'ai trop d'argent, les gars. Je suis... Genre, c'est moi qui devrais lui faire le prêt. Seul, je suis blindé de ouf, tu sais. La retrouver dans la plus vaste métropole du Nord. Merci, Geralt, merci guys, encore une fois. Sur lesquels il pouvait compter. Venez-vous. Le sorceleur décida donc de contacter Triss Merigold. Est-ce que vous pensez que Triss aurait fait ça pour moi, pour le prêt ? Jamais de la vie, ok ? Donc les team Triss là, hein, dans le chat, calmez-vous, ok ? Parce que moi, c'est pas team Triss, c'est team Yen. Voilà. Yennefer, mon amour. La banque de Rive. Banque de Rive, bonjour, que puis-je faire pour vous ? Team Siri. Tiens, donc. Toi, ça se voit, tu viens du Nord. Hé, hey, Siri, j'ai pas parlé de toi, ok ? On dirait que quelque chose m'échappe. Ta gueule. Il est insupportable. Dommage les devises, déjà. J'ai ici une... Voilà. 1196, merci. En quoi puis-je vous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Au revoir. À un de ces jours. F5. Hop, et on va jouer au Gwent. Par contre, pourquoi ça, c'est une quête principale ou secondaire du coup ? Vous savez jouer au Gwent, non ? Vous dites ça parce que je suis un nain ? Vous croyez aussi que je connais tous les autres nains du pays et que j'ai une mine d'or dans ma cave, peut-être ? Bah oui. Vous savez jouer, oui ou non ? Oui, je sais jouer. Team Moir. Dans ce cas, jouons. Pour une carte unique, peut-être. Ah, c'est secondaire ? Ok. Pourquoi pas ? Ok. Yes, go. Scoetel, oh il est mort.
Merci, les dieux du Gwent. Merci. Merci. Enfin, on a des bons jeux. Ok, il est nul. Merde, j'ai pas eu ce que j'ai eu. Il a passé. Tu oses passer devant moi ? C'est un des meilleurs joueurs de la ville, sérieusement ? Sérieusement ? C'est maintenant que vous me le dites, les gars ? Ok. Ok. Ah, j'ai pas le gel. Je vais lui faire perdre des cartes. C'est la meilleure chose à faire, je pense. Y'a pas d'espion, genre... J'ai peur qu'il joue cette carte en fait, ça le truc. Qu'il la raise. Salut, Shotlove, comment tu... À quoi sert l'espion? En fait, quand tu poses un espion, quand tu poses cette carte, voilà, placez la carte dans le camp adverse, ok, et tirez deux cartes de votre jeu. Donc en gros, en fait, tu lui joues cette carte donc chez lui, ok, donc tu lui augmentes sa puissance générale, donc là de 4 pour, en l'occurrence. Mais toi, en fait, tu tires deux cartes de chez toi. Donc du coup, en fait, c'est worse de ouf. Et le pire, c'est qu'en fait, il peut, par exemple, lui, la rejouer. Par exemple, imaginons, s'il la raise avec une carte comme ça, tu vois, médecin. Tu peux raise, en fait, une carte de ta défausse, tu vois, et qu'il la joue chez moi. En fait, moi, avec le leurre, je peux la re-récupérer et la rejouer chez lui. Donc, du coup, lui, en la jouant chez moi, il va tirer deux cartes, tu vois. Mais moi, en la récupérant et la rejouant chez lui, je retire encore deux cartes, tu vois. Brain, c'est hallucinant. Il y en a déjà combien, tu... Et là, je sais pas, en fait. Là, je sais pas ce que je fais. Soit je passe, soit je récupère une carte avant de passer, tu vois. Je sais pas. Parce qu'il lui reste 5 cartes, il m'en reste 7, et j'en suis sûr que dans son deck il doit avoir des espions et tout. Et en fait, l'espion, j'aimerais garder cette carte pour l'espion, tu vois. The brain is real, ouais, calme. Récupère une carte et passe. Ouais, mais si derrière il me joue un espion, je suis baisé, tu vois ce que je veux dire? Récupère un chasseur et passe. Le chasseur, il a combien de base? Il a 5, non? Genre, de base, il a combien? Il a 5 ou 4, le chasseur? Il y a 5. Ok. C'est pas grave. Je joue comme ça, c'est pas grave. Là, du coup, il va jouer encore. Nickel. Donc cette carte, il n'a plus que 4. Je vais passer. Je passe. Passe aussi normalement.
Ok. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok. Vas-y, qui commence en plus, parfait. Waouh, mec, cette carte, il me la faut. Hein. J'ai raté à 15 là. Ok. Ok, il reste deux cartes. Juste pas d'espion, s'il te plaît, pas d'espion. Joue ce que tu veux, mais joue pas d'espion. En fait, il faut que je reprenne cette carte. Avec Ian. Mais avant ça, en fait... Parce que là, en fait, si je joue cette carte-là, tu vois... J'ai pas le choix en même temps. Si je joue cette carte-là, il risque de me la brûler. Attends, on va essayer. J'espère qu'il me la brûle. Non, c'est bon. Il me reste une carte, ok. Je vais jouer celle-là. Comme ça, si il me la brûle, il me brûle celle-là, il me brûle pas les deux. Si je mets un 6, il risque de me brûler les deux 6, tu vois. Ah non, il a 6 aussi. Non, il pourra pas la brûler. C'est bon, j'ai gagné. C'est l'adversaire le plus dur du jeu. Get the fuck out of here. Quel adversaire le plus dur du jeu? Il n'y a pas d'adversaire plus dur, c'est moi le plus dur sur ce jeu. Ok. Tac. 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 And it's a win! Yes! Donne une carte, donne. Donne une carte, donne. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une pareille dérouillée. Ah bah oui. Bravo. Ah merci. La carte est à vous. Merci. Vous avez fait Gérald. De votre mieux. Gérald. Moi, vous savez qui d'autre possède des cartes rares? Il y a la marquise Sérénité, par exemple. Si elle ne s'en vante pas, elle n'en possède pas moins l'un des jeux les plus complets de la ville, et sait s'en servir, je l'ai appris à mes dépens. La carte. Vézémir. Ah, c'est une carte... générale. Ou je rêve. Ah non. Ah si, si. Mec, elle est à 6, hein. Elle est à 6. C'est propre, hein, en vérité. Non, c'est pas un héros. Je pensais que c'était un héros. Attends, en fait, vu qu'elle est à 6, c'est quoi? J'ai enlevé une carte à 5. J'ai enlevé celle-là, et je vais mettre Vézémir à la place. Je veux que des grosses cartes, que des gros morceaux. Ok, nickel. Parfait. Non, c'est cool. C'est cool. Et alors du coup, attends, je vais la mettre ici aussi dans Nilfgaard, Vézémir. Je vais mettre celle-là aussi, tiens. Je vais mettre des cartes à 5 aussi, là. Je vais mettre ces deux-là, pour le coup. Ok. Je suis à 17 sur 22. Putain, j'ai tellement envie de jouer Nilfgaard, en vérité. J'ai tellement envie de jouer l'Empire de Nilfgaard. Sauf que j'ai pas beaucoup d'espions dans Nilfgaard. J'ai pas beaucoup d'espions, j'en ai... 0. What? Pourquoi... Attends, quel bail? Pourquoi j'ai aucun espion chez Nilfgaard? J'ai aucun espion chez Nilfgaard. Ok. On va jamais jouer Nilfgaard, je vous le dis. Bonjour. Huissier de justice, Gérald. Je suis là pour faire le... Non, c'est bon. Le point, vous avez tout bon. Bisous, ok. Tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Quel problème? Vous voyez un problème? Bonjour. Salut. Montrez-moi vos marchandises. Ouais, je sais qu'on peut mettre plus de 22 cartes, mais j'ai pas envie, en fait. Parce que si tu mets plus de 22 cartes, comme a dit Julia, t'as moins de chances de tomber sur les cartes genre style espion, les cartes qui doublent, les cartes médecin, etc. Et comme je vais tomber sur ces cartes-là, j'ai pas envie de mettre genre des cartes, tu vois. Adieu. Y'en aura chez toi aussi, sérieux? Encore.
Là, il y a une herboriste, là, elle est où? Elle est derrière. Salut. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue, bienvenue. C'est un espion d'Ivgard, Vatier de Rideau. Ah, je l'ai pas vu. Que vendez-vous? Décoction de Gary Necker. Ah, attendez, il fallait que je fasse un truc ici dans la chimie. Attendez, il fallait que je fasse la poussière de lune améliorée. Il faut la faire. Il fallait que je fasse la ruche améliorée. Est-ce que t'as le calcium équum? T'as pas de calcium équum, mec? Mais quel arboriste n'a pas de calcium équum? Non mais, allô, quoi. Ah merde, j'ai pas la bombe, la étoile dansante améliorée. Ouais, je l'ai pas. Les huiles, quand t'es crédit de midi amélioré, go. Ça, dis-moi que t'en as. Putain, mais c'est quel bail là de. Du rubédo. Mec, t'as pas de rubédo? Non, mais allô quoi? Putain, ça sert à rien. Chahut amélioré. Est-ce que t'as le venin d'Araka? Ok. C'est vraiment une merde. Hein. Il a vraiment rien. Il sert à rien. Adieu. Salut, White Knox, comment vas-tu? Ok, je pense avoir fait le tour ici. Là, il y a un panneau, là, il y a encore un... Oh, putain, mais... Attends, mais attends, gros, il y a trop de vendeurs, là. Chat, il y a trop de vendeurs. Contrat monstre à Oxenfurt. Genre de souverain... Genre de notre souverain... Manime, le roi Radovid V, tout tueur de monstres itinérant qui lira le présent avis est tenu de renoncer immédiatement au contrat en cours et de se consacrer exclusivement à la traque de ce monstre. La bête en question profane le berceau de l'intelligence humaine, la ville qui héberge le plus ancien académie est vouée à la transmission du savoir Oxenfurt. Ok, le breteur qui mettra en terme aux agissements des faces du monstre recevra une généreuse récompense prélevée sur la carte royale. Ah, ça va le faire direct, je vous le dis. Ok. Ah, oui. Elle a plus dur quand même, non? Trouvez le scribe au passiflore et inscrivez-vous au tournoi de Gwent de haute volée. Ah, mais ça, c'est une autre quête encore. Attends, attends. Rendez-vous au marché durant la journée et parlez à Sylvestre Amello. Ouh! Parler à Kurt Desert. Oh, les fights, c'est trop bien, j'adore. Ah. Arrêtez de pousser. Parler au superviseur. Beaucoup de quêtes quand même là. Chat, je savais pas que dans le jeu il y avait beaucoup de quêtes. Quel bail? Il est là-dedans là. Impossible. Vous êtes bien Geralt de Rive? Le loup blanc? Le boucher de Blaviken? Geralt de Rive, ça suffira, que voulez-vous? Un homme m'a donné un livre pour vous, il y a des années. Il m'a payé pour le garder. Il m'a dit que vous viendriez le chercher un jour. Qui était-ce? Eh bien, il ne s'est pas présenté. Mais le livre a une couverture rouge, ça j'en suis sûr. Je sais que je ne l'ai pas vendu en tout cas. Bon, je vais essayer de le trouver alors. J'ai également d'autres volumes si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Je peux toujours jeter un œil. Il y a plus de 300 quêtes. Ok, Rip, on n'aura jamais fini le jeu. Trouvez le livre à la couverture rouge à la dévotion de sorceleur. Bah, il est là. Les joyeuses aventures de Muriel l'adorable catin, un conte illustré. C'est pas ça? Ah, c'est pas celui-là. Ah, il y en a plein! Oh! Bon, regardez. Allez, allez. Pro player que je suis, ça va être celui-là. La tyromancie, ou l'art de la divination dans le fromage. Faites injure à la majesté du feu éternel. Ah non, c'est celui-là? Moribundia, le dernier portrait du vampire. Celui-là. Mon manifeste, c'est sûrement ça. Ah voilà. Il y a une lettre à l'intérieur.
La lettre. Lettre de A. Sorceleur, dans le sens des possibilités, certains événements sont plus probables que d'autres. Il n'est pas simple de démêler les fils du destin, même pour un esprit maîtrisant les secrets de l'espace et du temps. J'écris cette lettre dans l'espoir insensé qu'elle parviendra un jour jusqu'à toi, car je dois te prévenir. L'humanité est en danger. Le fléau prophétique du froid blanc n'est pas le fruit d'un esprit malade, mais une menace bien réelle. J'espère pouvoir un jour t'en convaincre en personne, mais dans le cas contraire, je dois m'en remettre à cette lettre que tu liras dans de nombreuses années à une époque où tu seras beaucoup plus qu'au jour de notre première rencontre. Sache ceci, rien ne pourra sauver le monde de cette catastrophe. Le seul recours est de le préparer à y survivre. D'antiques légendes parlent d'un enfant de sang ancien, sauveur de l'humanité, mais j'ai chassé ce fantôme pendant trop longtemps. Je suis aujourd'hui hanté par la vision entêtante d'un spectre couronné, le spectre de mon propre échec. J'étais l'élu, j'ai lamentablement échoué. Ta confrérie et toi êtes désormais notre ultime espoir. Lorsque viendra le temps du blizzard, du loup, les hommes périront et seuls les surhommes survivront à l'apocalypse. Ton rôle consiste à peupler le monde de surhommes. Quoi que tu penses de moi, n'échoue pas, je t'en conjure, Alfred. Donc en fait, je dois coucher avec des femmes pour faire des surhommes. Ok, j'ai compris. C'est bon, je l'ai lu. Message d'une vieille connaissance. Ok. C'est bon, c'est ça la quête ? Cinquante et une couronnes ! Waouh ! Les livres vous intéressent ? Vous n'avez pas l'air d'un érudit, mais nous avons quelques ouvrages illustrés. Oh ! Attends ! Au plaisir. Oh, attendez deux secondes. F5.